It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fly in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip. Drip, drip. Pull up and I'm loading the clip. Conduis n'importe comment, sale bâtard. Tu parles avec moi là, Bartok. Ouais, les garçons, ça. Comme il se doit. Ouais, elle est tellement charismatique. En ce moment, tu ponces les chemises, hein. Ah, tu connais, hein, on profite de l'argent. Ah, mais vous voulez le sucer ou quoi là? Toujours commenter cette tenue vestimentaire. Ah, mais change-toi, t'as vu? Ça fait 3 mois, je lui dis, il a la même tenue. T'as le même slip, t'as le même slip. Ah oui, allez, suce maintenant le canon. Il y a une caméra, frérot, je crois, oui, ça marche. Dans le coffre de la voiture, là, vous avez deux personnes. Dis-moi, tu les fais payer ou. Non, je les fais pas payer, mais une fois que tu sors ce qu'il y a à sortir du coffre de la flica, moi je prends un pourcentage dessus. Pour déjà me rembourser la perceuse et en plus. Ok. Ouais, et regarde là, t'as vu, il y a une perceuse, il y a besoin de combien de forêt? Une dizaine. Déjà, je t'ai mis deux perceuses parce qu'en vrai, tu peux la péter, ouais. Donc au moins t'es sûr d'en avoir avec deux. Ouais, okay. Et des perceuses, c'est mon père. Perceuses, il t'en faut une dizaine. C'est ta mère, ça s'achète au YouTube. Non, on en a déjà, ok, c'est cool. Okay. Voilà, une dizaine, ça vas-y, carré. Et ce que je t'ai demandé hier, c'est carré ou pas? À quel dans votre quartier là? Ça là? Ça ou. Ouais, ça c'est bon ou pas? Dis-moi juste oui, s'il te plaît. Ça, semaine prochaine, en théorie. Ok, vas-y, bah sors-moi. De calibre, ouais, j'essaye de voir pour ce soir, mais sinon c'est demain. Tous les jours, tu me dis c'est demain. Ouais, mais en fait, là, c'est que j'ai plein de commandes de partout et ça c'est compliqué. Mais ça fait 5 jours. En fait, j'attends une transac importante la soirée, donc si je l'ai, je te vends les deux. Si j'ai pas la transac, c'est demain. Vas-y, mais j'espère qu'il y a au moins 2 boîtes de mine offertes avec le temps que tu me fais perdre. Non. Okay. Oh lolo. Alors rappelle-toi que tu viens de baisser le prix de 5 000 $ pour le pompe. Ouais, on verra. Donc là, du coup, t'as vu ceux qui montent sur le plan, ils prennent les deux perceuses avec eux, on est d'accord? Deux perceuses et une dizaine de forêts, je pense, ça fera. Vas-y, c'est bon, vas-y, bien vu. Vas-y. Et qui va. Tiens, c'est qui perce là? C'est. Mais. Bon, c'est toi, t'as. Cube. Ouais. Cube, j'ai une petite question vite fait. Tu vends des lire en mode? Parce que t'as vu, j'ai parlé. Tu as déjà rencontré les gitans ou pas? Non. Non, ok, bah bref, en gros, les gitans, si un jour tu peux les contacter ou quoi, en gros, ils habitaient sur Wardog là-bas, là-bas. Il m'a dit qu'il cherchait un délire en mode cocktail molotov, tout ça, donc je sais pas si t'en fais ou pas. Cocktail molotov, non, j'en fais pas, mais après, non, j'en fais pas. Ah bah en gros, ils habitent là-bas et. Ok. T'as une belle voiture, hein? Ok, ça marche, bien vu. Vas-y, viens, Momo, on y va. Ok, vas-y, donne-moi la pause. C'est quoi, la pause de quoi? Ok, vas-y, envoie-moi dès que t'es posé. Lundi. On va le fumer ce bâtard. Allez, parfait. Vas-y, viens, on va chercher la Commoda, comme ça on arrive à deux voitures. Putain, ce fumier de merde. Tu vois comment il est? On lui a tendu la main. C'est comme les Latin Kicks, les mecs, on leur tend la main et tout. Heureusement qu'il y en a ici, où ils sont chez eux. D'ailleurs, on doit leur baiser leur Allô, mère. Allo, Marcelo. Ouais. Ouais, ça va quoi? Ouais, on est là. Dites-nous, ils y sont. Il est au bout du pont. Dealer de ramener ici, on va bouger de cette pause, hein, nous on va aller s'en occuper plus loin. Ah ouais, faites gaffe, il est armé, hein. Il est armé? Bah de toute façon vous l'avez là. Non, on l'a pas vraiment braqué. Ah vous l'avez pas encore braqué? Parce qu'en fait si on le braque, tu connais. Vas-y, je vais aller m'en occuper. De quoi il est capable. T'inquiète, moi je sais de quoi il est capable. Ah, il est long ce pont. Putain, j'avais oublié qu'il y avait un truc. Il a pris des équipes. Oh, les mecs qui courent comme ça, j'ai envie de les niquer. Ouais, Landy. Ouais. Ça va ou quoi? Ouais, ça va, tranquille. Hein. Ça va quoi, mon gars, Landy? Oh putain. Ouais, putain. C'est pourquoi t'es là? Non, je sais pas exactement. C'est pas exactement, bah viens, tu vas me suivre, tu vas savoir. On va te l'apprendre. Qu'est-ce qu'il y a, tu boites? Tu t'es fait mal? Ouais, je me suis fait mal. Ah là là, Landy. Putain, je pensais pas ça de toi, hein. T'as vu hier quand tu m'as parlé et tout, je pensais que t'étais un gars tranquille, je pensais que tu savais. Ouais, tu restais dans tes affaires. J'avais pas le choix, les gars, c'était soit vous, soit une autre équipe.
Et je pense que l'autre équipe, ils en avaient, c'était un peu plus chaud. Ils m'ont déjà tiré dessus dans la jambe. Choum. Ouais. Viens voir, on va en avance un peu. Vous êtes bizarres les gars, vous m'avez menti. Hein. Il a passé des coups de bigot, je sais pas à qui il a parlé. Hein. Ouais. Ça veut dire, à tout moment il a appelé des... Il nous a dit, ouais, la première poste qu'on vous a envoyé, tout ça, je sais pas quoi, j'avais mis des collègues en plan, comme ça j'ai des photos de vous, je sais pas quoi. Okay. On est allé le chercher. Donc fais gaffe, il a pas appelé des flics, des flics là. De toute façon, nous on va partir avec lui, vous partez de votre côté, vous inquiétez pas. Ouais, ça marche. T'as passé des coups de téléphone, Landy, non? Quand, tout de suite, là? C'était à la radio qu'on a vu. Ouais, j'ai prévenu, je pense que j'avais... C'était un peu bizarre, ton équipe, ils étaient bizarres. Donc ils m'ont dit qu'il y avait un bateau qui allait venir, j'ai prévenu que comme quoi je quittais la ville sur un bateau. Et je pense qu'ils ont ma pause, mais j'ai pas eu de nouvelles à ça, donc... Comment on se retrouve en foire de merde? Attends. C'est qui devant là? Ok, c'est bon. Bon les gars, bien vu, c'est du bon travail, on va le prendre et on va s'en occuper. Déjà la bien. Merci bien. Les gars, vas-y Maurice, viens. Bouge les mecs. Toi tu vas passer un sale quart d'heure lundi, on t'attend la main. Ça, c'est un bon travail de tout et Jayden, mon jeez. Les gens se captent. Vas-y, les gars. Voiture noire, là. Oui, il y a qui ouvre ces enfoirés. Force à vous, les mecs. Sors ta gueule. Salope d'indique, va. Landy, force. C'est pas quoi te dire, hein. Landy, long sur la patate. Repose bien, mon peur. Foiré. Où on peut aller? Lundi, qu'est-ce que tu aimes, la ville ou la nature? La ville. Ok. Ben, j'ai pas envie de te faire plaisir, alors on va choisir la nature. Voilà, okay. Allez, c'est parti, suis-moi. Ah là. Bon, tu as. J'imagine que t'as une arme. Ah, j'ai une radio. T'as une radio? Ouais, c'est tout. Et j'ai un taser, c'est tout. Ok. D'argent. Je te déconseille de faire des faux mouvements avec ton taser ou ta radio, hein, ça... J'aimerais pas non. Te coller une balle dans la tête avant que tout ça soit fini. Non. Mais je pense que ça va mal finir pour moi déjà, donc... je préfère que ça soit rapide. Pourquoi ça devrait mal finir pour toi? Ah, je sais pas. Ça sent bizarre. Je vois Maurice, il vient avec un Glock. C'est pas un Glock, c'est un Tech 9, c'est un pistolet automatique. Ok, putain. J'avoue, vous êtes chaud, hein. Franchement, vous êtes chaud. Eh ouais, Landy, on est chaud. Ouais. Tu vois, c'est ça le problème, c'est quand tu te frottes aux mauvaises personnes, et ben ça te retombe dessus. Ouais, je pense aussi. Après, je pense que s'il a pas été bête aussi. J'ai envie de le mourir pas à un endroit grave basique, mais juste pour qu'il découvre. J'ai pas assez de trucs sur lui. J'ai des trucs, mais c'était pas assez concret. Je pourrais avoir dans mon téléphone. T'es allé en parler aux flics? Ouais, il y a des photos, il y a tout. Qu'est-ce que tu foutais dans cette maison hier là? Maison? Bah, c'est un Marianne qui m'a pris en otage. Et pourquoi t'as fini dans cette baraque? Parce qu'on s'est embrouillé. Et pourquoi t'as pris des photos du souterrain? Quel souterrain? Dans son souterrain à lui? Ouais, hier t'as pris des photos d'un souterrain, non? Tu les as envoyées à Maurice. Pour montrer à Maurice que je me suis vengé. Et t'es au courant que cette maison elle m'appartient? Ah ouais, cette maison elle t'appartient, chérie. T'es au courant que j'ai investi 1,6 million de dollars pour acheter cette maison et pouvoir cacher mes affaires en dessous? Franchement, je savais pas, je pensais que c'était au Mayan, vu que c'est lui qui m'a ramené dedans. Il m'a dit que c'est lui qui contrôlait tout. Ah là là, tu nous mets dans la merde, hein. Tu nous mets dans la merde. On va te baiser, toi. Hein. Vas-y, garde-toi comme moi à côté. Allez, descends, on va aller faire une petite. Une balade, oui. Une petite balade, voilà, exactement. Peut-être ta dernière. Histoire que. Peut-être tu. Excuse, premièrement. Deuxièmement, tu t'exprimes. Troisièmement, tu rejoignes le Seigneur Jésus. Oh, je vais rejoindre le Seigneur Jésus. Tu es un SPC, gros bâtard. Maurice. Laisse-moi. Maurice, fais-moi pas ça, s'il te plaît. Un faux geste, je te fume. Allez avance, lundi. Tu n'auras, je pense, aucune peine de la part de Maurice parce que simplement, j'ai été cool avec toi. J'ai été emmené dans des bails, j'ai été missionné, j'ai été donné un pistolet. Le cul de la crémière, le beurre,
la sauce piquante, tout. Je t'ai tout donné et tu en veux encore. Tu es gourmand. Avance-toi là, je vais perdre patience. C'est que. Oh, enseigne à Jésus, me témoigne. Il y a ce qu'on appelle. Qu'est-ce qu'ils disent dans ta radio là ? Ce salopard là. Ils disent qu'ils ont eu le procureur en otage. Ok, bon, on va prendre le télésiège, les gars. Très bien. On monte. C'est parti. Suis-moi. Je fais quoi ici, les gars? Pourquoi il y a du sang partout? À ton avis, Landy. Tu vas devoir nous dire tout ce que tu as ou dire à la police. Ah, peut-être potentiellement des personnes dans la rue. Parce que j'ai l'impression que ta bouche, elle est plus ouverte que ton cul. Maurice, prends mon téléphone. Et il y a plus de caca qui sort de ta bouche que de tes fesses. Je ne comprends pas. Dans mon téléphone, je pense que tu verras tout. Tu as fait ça, Landy. Quelles sont tes motivations? T'es venu, tu m'as braqué avec tes potes pendant que je faisais mes affaires. J'étais bien dans mes affaires. J'aurais fait mes affaires là. Chacun serait resté dans son coin tranquillement. Là, je te cache pas qu'il y a un gros dossier sur toi, sur le Bénis. T'avais nombreux avec le Bénis, ils sont chauds sur ça aussi. Et je leur ai ramené plus d'infos grâce à ce que j'ai eu. J'ai pu rentrer chez toi, ou je sais pas si c'est chez lui ou c'est chez. Je suis rentré chez toi et j'ai pris là les photos. T'as pas vu hier, j'étais dans le garage. J'ai essayé d'entrer dans le garage, il m'a cramé cube. J'ai pas pu rentrer. Donc ça veut dire que t'as bossé contre nous. Ça veut dire qu'à la base, tu voulais nous donner des informations. Mais au final, tu t'es introduit chez nous juste pour avoir des informations et pour nous la mettre à l'envers, en fait, c'est ça. Tu es concrètement le type de personne qui joue ce qu'on appelle un double jeu. J'étais infiltré. T'étais infiltré. Dans tous les cas, si ils savent, ils sont prévenus que je quittais la ville parce que ma couverture elle était cramée. Il y a un moyen s'il m'a entendu dire que j'avais des photos de vous. Donc du coup je pense qu'il vous il la balance à tout le monde, donc voilà, c'est chaud pour moi, s'il vous plaît. Au courant que infiltré comme tu dis. Faites-moi passer. C'est sûrement ce que va faire les balles qui sont à l'intérieur de nos jouets dans ta tête. Pas dans la tête, s'il te plaît. Pas dans la tête. Tu vas rien sentir. Ça va être très vite, très rapide. En tout cas, Maurice, ce que j'ai à dire, fais attention à toi. Cube, y'a rien sur toi, hein. J'ai pas pu t'approcher plus que ça. Tu es en train de me dire que tu m'as foutu dans la merde, moi, espèce de gros bâtard, là, je suis celui qui t'a le plus tendu la main. Tu m'as rien tendu la main. Tu m'as braqué avec tes potes, tu m'as dit de quitter la police. J'étais bien dans la police, moi, je faisais mes affaires. Tu n'étais pas bien. La police est au courant que tu fais des bêtises. Tu es naïf, mon petit. Ça reste entre moi et la police, ouais. Tu peux faire un truc pour moi ? Ouais, dis-moi. Tu sais parler dans ta radio ? Oui, je sais parler dans ma radio. Ok. Ils sont au courant que t'as encore ta radio ? Ouais, ils sont au courant. Ok, tu vas prendre ta radio, tu vas parler et tu vas dire Rookie Landy. Je sais pas, t'es officier, t'es rookie ? Je suis rookie encore. Tu dis Rookie Landy, End of Watch. Exactement, j'allais dire la même chose. End of Watch ? End of Watch. Oui. Et tu dis bonne soirée à tous après. Et après tu parles plus dans ta radio. Bonsoir, c'est Rookie Landy, End of Watch. Bonne soirée à tous. Parfait. T'as répondu ? T'en dis quoi ? On dit comment ça, End of Watch ? End of Watch. Qu'est-ce qui va se passer lundi ? On n'est pas non plus des raclures. Ouais. Qu'on a un cœur, on va pas te laisser pourrir ici sans que personne te retrouve. Ouais. On va destituer ton cadavre aux flics. Ouais. T'auras un enterrement, ta famille pourra venir et pleurer sur ta tombe. Ok. Parce que t'as quand même été quelqu'un qui a essayé de faire du bon travail, t'as quand même essayé de faire des choses. Servir la police. T'as essayé de servir la police et c'est honorable. Mais nous, dans notre monde, y'a personne qui existe. Y'a personne d'autre que ceux qui bossent dans ce qu'on bosse qui existe. T'as voulu nous la mettre à l'envers, chez nous. T'aurais pu nous faire tomber. Ouais, je pense aussi. Pour nous, t'es un obstacle sur notre route et on est obligé de t'éliminer. Ok, mais je pense que c'est à cause de Maurice, hein. Maurice, pas rien faire fait foot. Pour moi. Tu m'aurais laissé faire ma vie,
Je t'aurais laissé faire ta vie tranquille. Je pouvais pas te laisser faire ta vie, tu étais en train de partir en couille. Je pense que Maurice, tu vois, je fais pas le malin, mais je pense que tu vas pas faire long feu là. Non, pour commandant. T'as trop fait de gaffe. Vous avez pas récupéré une pylône de couverture ? T'es trop. Zéro gaffe. C'est ce que tu penses. J'étais avec pendant. Tu as mis dans les messages comme quoi j'ai fait un casino, je ne sais pas quoi. Tu as eu cette information où ? Mon gars, Junior, tu connais Junior ? Non, ça ne me parle pas. Junior, il m'a tout balance. Ce jour-là, j'étais dans le casino, moi. Je me suis barré avant que vous venez. J'étais dans le casino avec Karim. Je connais Karim. Oui, l'agent de police. J'ai juré qu'il est trop fort. Karim, tu le demanderas à ce que Landy t'a prévenu qu'il y avait un braquage. Et en fait, je savais pas que c'était un braquage. Je pensais que c'était une explosion. Il y avait une explosion. Junior, il m'a dit qu'il y a une explosion, que c'était toi qui préparais ce coup-là. Et qui est Junior? Junior, c'est un mec, je crois qu'il est avec les 50. Bon, un mec qui start le RP, vraiment, il est vraiment. Moi, il est pas trop dans la ville. Je l'appelle, il répond pas. Et écoute, malheureusement pour toi, ce n'est pas vrai et il n'y a aucune preuve m'accablant à propos de ça, mis à part des paroles en l'air. Ah ah. J'étais pris en photo la dernière fois. Hein. Parti dans le sud. D'accord, j'étais pris en photo aussi, du coup. Mais fais quoi avec une photo? Une photo où tu fais des transactions avec de l'argent. T'as oublié? Ah putain, je me sens mal. Ouais, relève-toi. Ah putain. Oh là là. Je t'arrive, mon petit, tu as perdu l'équilibre? Je me sens mal. Tu n'as pas les épaules? Non, pas les épaules. Ah, c'est bon. Ah, ouais, qu'est-ce que je dis? Je te disais, j'étais pris en photo en train de faire une transaction. T'as oublié? Ah, quoi, une transaction où ça? Prends mon téléphone et tu regardes dans les messages. Dis-moi, ouvre ta bouche avant que je la ferme. Je connais pas bien la ville. C'était avec toi-même, tu sais. Tu peux savoir toi-même. Mais écoute, j'ai fait tous les jours des transactions, hein. Pour réparer les voitures. C'était pas entre les clients et moi. C'était pas pour réparer les voitures. Mais de toute façon, ouais, on va te dire la vérité. Ouais, t'as pas fait fausse route. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en est là, on en est devant toi avec des armes et on va certainement te faire. On va certainement plus jamais te revoir. Parce que ouais, t'as pas fait fausse route. Ouais, on est des gens qui sommes dans le business. On fait fondre de l'or, on vend des armes. On fait des fausses plaques, on fait des fausses cartes d'identité. On a braqué le casino. Ouais, c'était nous. Oula, la braqué, espèce d'enfoiré. Hein? Putain, j'en étais sûr. Ouais, c'était nous, exactement. C'était nous. Et même là, ce soir, on a fait le braquage du Human Labs. On était à l'intérieur. C'était même nous, les commanditaires. On a tout fait. C'est nous qui avons allumé les flics. On est à la tête de différentes choses. Mais aujourd'hui, on est des bandits lundi. J'ai envie de te dire, les flics qui font du bon travail aujourd'hui, ils sont obligés de tomber. Les flics qui sont sur la bonne route pour trouver des informations. Tout qui se mêlent des affaires qui ne les regardent pas. Exactement. Les flics qui enquêtent bien dans le bon sens et qui trouvent les solutions à leurs enquêtes, quand ça nous concerne, ils sont obligés de mourir. Ok, je sais. Nous, on doit tomber face à des flics qui font mal leur boulot et qui font. Tu vois ce que je veux dire? Toi, t'as bien fait ton travail. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, t'as tellement d'informations qu'on est obligé. On est obligé aujourd'hui de mettre fin à ça. Parce que si tu continues, tu peux être un danger pour nous. Ouais, je comprends. Je peux dire un dernier mot au moins avant que vous faites. Attends, écoute, pas maintenant. Moi, je vais laisser une chance lundi de s'en sortir. Ouais, comment? Je vais te faire choisir dans deux cartons. Ouais. Celui que tu vas choisir aura un parachute. L'autre, non. Je vais te déposer au bord de la falaise là-bas. Tu vas choisir le carton. Tu choisis mal le carton. Attends, reste ici, doucement. Viens là. Reviens là. J'ai pas terminé avec toi. Vas-y, tiens. Maurice, tiens-le, assis-le sur la chaise là et tiens-le. Bien ici là. Et moi, mon petit. Pose tes fesses ici. Voilà. Tu vas gentiment t'asseoir. Quoi qu'il y ait une petite corne dans cette armoire, je vais t'attacher. Désolé, j'ai pas fait exprès. C'est toi, mon petit. Attends, tout de suite, je m'assois, tout de suite. Attends, je vais lui faire parce que. Faites pas de trucs bizarres, je m'assois, ne vous inquiétez pas. On a le contrôle de la situation. C'est toi qui ne dois pas paniquer, mon petit. Ouais. Je panique jusqu'à ce que je sors mon taser, les gars. Normal. Personne n'est prêt à la mort, mon petit lundi. Attends, retourne-toi. Mets-toi près de la chaise.
c'est bon par là. Je pense que c'est bon là. Ouais. Laissez-moi m'asseoir tranquille. Ok. Ouais. Oh non. Je me relève là. Attends, relève-toi, relève-toi. Tu es en train d'essayer de faire quoi là, Cube? Je galère, bref, c'est pas grave. Enlève-lui sa veste là. Je m'assois par terre, c'est mieux, je suis bien par terre. Enlève-lui sa veste, relève. Retire le bras droit. Retire le bras gauche. Enlève ta veste. Hop, voilà. Parfait. Hop. Tiens-lui le bras là, serre-lui bien le bras ici, là, de ce côté. Oui, je vais faire ça sur ta veine, mon petit. Je vais taper sur ton bras. Oh non. Aïe, aïe, aïe. Je vais te prendre un peu de sang, histoire de me rappeler de toi. Pourquoi vous faites ça, les gars? Ça sert à quoi? T'es jamais. Ça peut toujours servir. Hop, aïe. Je pique. Et voilà. Je mets ça dans une petite poche. Maurice, tu vois, toutes les infos que j'ai sur toi, ils sont dans mon téléphone. Récupère-le. Je n'ai pas besoin de ton téléphone. Je te le laisse. Vas-y, nique-lui un peu sa race là avant qu'on. Nique-lui un peu sa mère là avant qu'on se barre d'ici. Lui, on casse sa tête vite fait. Oui, attends, on va casser la tête. Bouge pas. Allez-y, je vous regarde. Petit truc derrière le pneu là. J'ai une surprise pour toi. Je laisse toujours ici. Espèce d'enfoiré de mire. Je t'ai tendu la main. Je t'ai accompagné. Je t'ai donné des armes. Je t'ai missionné. Arrête, aïe. Je t'ai ouvert les portes. Arrête, aïe. Les portes de la Russie. Arrête. Tu n'as pas su voir la lumière. Tu as préféré rester avec des poulets de merde. Recevoir 200 dollars par semaine. Être la pute de la police. Et tu... APQ. Espèce d'enfoiré. Aïe. Aïe, mais pourquoi tu prends des armes? Ce que tu as pris, ce qu'on appelle. Parce qu'on est des mecs comme toi, on a aucun honneur, Nandi. Je peux prendre une arme aussi, je prends ma hache. Tu vas rien prendre du tout. Tu te rappelles le jour où c'est rencontré que tu m'as mis 32 coups de matraque. Alors je te demandais d'arrêter. Ouais. Pas ta grand-mère. C'est le jour de s'évanger aujourd'hui. Aïe. Allez, viens, relève-toi, c'est bon, arrêtez de vous frapper. Relève-toi, viens avec nous. Viens là. Passe la porte. Pousse ça là. Viens ici, suis-moi. Fais attention où tu marches, fais attention, va doucement. On va aller sur ce petit ponton en bois, fais attention à toi. Allez, va devant moi, mais pas trop loin. Doucement, Landry. Va pas au bord, recule un peu. Vous pouvez faire de grandes choses, Landry. Malheureusement, dans la vie, on fait des choix et ce ne sont pas toujours les bons. Bon, je crois que c'est le moment de nous quitter, Landy. Il y a deux boîtes devant toi que Momo va placer. Oui, bien sûr. Dans une des deux boîtes, tu auras un parachute. Dans l'autre, il n'y en aura pas. Dernier coup de fil, mon pote, s'il te plaît. Passe un dernier coup de fil, Landy. Aucune information sur l'endroit où on est et sur qui tu, avec qui tu es. Allô, ouais. Je quitte la ville. Hein. Adieu, mon gars. Adieu. Pose une là. Ouais. Pose une ici. T'as un dernier mot, Landy? Tu m'as dit que tu poses des boîtes. Il y a deux boîtes là devant toi, il y a deux cartons. Mais je les vois pas là. T'inquiète, elles sont devant toi. Celle de droite ou celle de gauche? Ici, dans les deux, il n'y a rien. On a qu'une parole, Landy. Celle de droite. L'ouvre pas, attends. Regarde dedans. L'ouvre pas, attends deux secondes. T'as un dernier mot, Landy? J'ai un dernier mot, les gars, allez vous faire enculer. Et on se reverra en enfer. Tu peux ouvrir la boîte? Oh, y'a rien dans ta boîte. Je me dirige
Regarde la deuxième. Y a rien non plus dans la. Aucune parole avec les flics, Landy. End of watch. De merde. Oh. Wesh, il a fait quoi, Médoche? Wesh, Médoche. Attends. Vas-y, ce bâtard là. Non. Putain. C'est nul. Ah. Allez, viens, faut qu'on se barre, faut qu'on se barre. On se barre, on se taille. Je sais pas pourquoi je suis tombé, je contrôlais plus rien. Ouais, c'est pas grave, viens, on se barre. Ok, vas-y, on retourne au quartier. Allez, je bombarde, go, hein. Je bombarde. Bien, j'augmentais le son en fait. Pardon, bon. Je suis tombé. Ah, j'ai augmenté le son de ma Go XLR. Ouais, je pouvais pas tout faire à la fois. En fait, faudrait que je mette ma Go XLR à droite. Ouais, elle est à gauche. Je suis obligé de lâcher le clavier pour. La musique de Top Boy, sérieux. Ouais. Ouais, ils arrivent. Vas-y, je les attends. Mais en fait, l'entrepôt des Shangri-La, je sais pas si c'est legit, hein. Cube, le big. Ouais, c'est à qui cet exemplaire? C'est à la coiffeuse. Quoi? Vous l'utilisez? Ben non. Mais pourquoi, on n'a pas le droit des exemplaires aussi? Bah non. Pourquoi, ça va vite ça? Bah oui. Enfin, c'est pas une voiture. C'est incroyable l'exemplaire. C'est pas une voiture de mètre de quartier, quoi, mais tranquille. Non, non, c'est juste qu'elle nous l'a prêté. Non, elle nous l'a prêté parce qu'on n'avait pas de quoi se déplacer là. Buffalo S, c'est bon ou pas? Oui, Buffalo S, bah oui. Straighter, c'est bon? Non. Ah, Straighter, non? Non plus, ouais. Oh, c'est quoi comme 4x4? Huntley, Bowler. Ah, mais le Bowler, il est plus sa grand-mère. Straighter plus tard, mais pas maintenant. Ok, bon, alors t'as vu, on a bien réfléchi ce week-end et tout. Et on s'est dit, non, labo de LSD, vas-y frère, pas envie. Moi si je veux un labo, c'est le labo. Plus tard, tu vois, d'opium, tu vois. Mm-hmm. Mais là, t'as les cargaisons d'opium ou toujours pas? Non, non, toujours pas. C'est compliqué l'opium en ce moment, il y a des galères. Mais ça va bientôt arriver, je sais pas quand. Donc, c'est comment quand il y a l'opium? Tu vas me laisser l'exclusivité au début ou c'est comment? Au début, juste je vais te le vendre à toi et je vais trouver un autre set à qui je vais le vendre. Tu dois déjà deux cargaisons, c'est ça? Si je comprends bien. Je t'en dois qu'une. De combien? Deux, je jure deux. Ça m'étonne rien. J'ai jamais promis d'opium, mis à part la fois où je t'en ai donné à la maison, là, à la villa. Mais... Bah pour la veste. Et pour la veste, j'ai jamais promis d'opium. Pour la mission d'après. Non, si gros, la villa. Pour la veste, j'ai parlé du labo des LSD. Les gars, on est d'accord que. Non, je parle de cargaisons. Je te jure que tu m'avais dit, je vais pas te mentir. Cube, tu sais très bien que je te mens pas. Dans tous les cas, ce sera des petites cargaisons. Hein, mais... De combien? Bah, je pense là, 100 et 100. 100 gratuits. Après, les prochaines fois, tu paieras normal.
Ok. Mais l'opium, on verra ouais, quand ce sera mis en place. Et tu sais pas c'est quand que ça sera mis en place à peu près? Dans la semaine, je pense. Enfin, semaine okay, d'après, parfait. Quand t'as capté. Ok, ok. Autre chose que je vois avec toi, il me faut des munitions. Ah ouais, tout le monde en a besoin en ce moment, c'est trop chiant à faire. Munitions. Ouais. Tu veux quoi comme munitions? Dis-moi, je note. Plusieurs pompes. SMG, pistole. Ce que tu peux me passer en fait, t'as vu? Ce que tu peux me passer de chaque. Pompe, j'ai vraiment zéro balle. Tu vois, j'ai zéro munitions. Pistole, ce que tu peux me passer et trucs. Ouais, pistole, c'est chaud. Après, frérot, si t'as la flemme de faire, nous, on peut travailler pour toi dans ça. Non, non, pas sur ce genre de business. Je vais essayer de te faire 5 boîtes de chaque. Ouais. Mais. J'essaie de les faire au plus vite là. C'est juste un peu chiant. Faut que j'envoie des mecs. Ouais, je sais. Je sais que c'est chiant. Y'a autre chose là? T'es sur un coup? Ce soir, non. Raconte-moi un peu. Non, mais je m'en bats les couilles. Pas ce soir. Je te parle pas de coup, quelque chose à faire, mais. T'as des projets, t'es sur des projets là que... Ouais, je suis sur des projets, hein, là, il y a plein de trucs concluants, là, il s'est passé pas mal de choses. Tu me mets sur rien du tout, là, à part tes missions, oui, moi ben, ces derniers jours, j'entends pas trop parler de vous en même temps. Je sais pas on que est tout le temps, à part hier, mais on sent tout le temps là, frère. Je sais très bien, samedi, on dort, mais ouais, sinon, bah là, en ce moment, j'ai fait un peu mes bails personnels, mais oui, il risque d'y avoir des trucs. J'ai failli oublier. Quoi? J'ai failli oublier. T'as oublié de me payer mes 263 lingots d'or. Si, je te les ai filés non, hier. Non, il est passé hier, j'ai mis les ok, bien vu. Mais il y a quoi? Il y a quelque chose là? T'es en bif avec quelqu'un? Je te mens pas, on en discutera en temps voulu, mais il y a un problème avec le Nord là. Il y a un problème avec le Nord qui. Je suis au courant qu'il y a un problème avec le Nord. T'es au courant du problème, là, il y a deux secondes. Essaye de t'informer un petit peu sur qu'est-ce que la mer fait par rapport au groupe du Nord. Et nous, bah, on j'ai va... rendez-vous avec elle. Vas-y, bah, essaye d'en savoir plus. Et nous, on va pas tarder à agir là contre le Nord. Est-ce que tu veux que je m'infiltre? Ouais, ce serait pas mal, ouais. Essaye de t'infiltrer dans le Nord. Après, fais attention parce que il y a Kele, Mayan, Sessoa et plus Lost. Et ils sont vraiment soudés entre eux. Enfin, soudés. En fait, ils se font la guerre entre eux, mais t'as capté quand il s'agit du Nord. Oui, c'est comme nous, c'est comme nous. Nous, on s'aime pas. Ouais, mais moi, franchement, les mecs du Nord, ils prennent le gouverneur en otage. Je m'en pète un rein, tu vois. Mais bon, eux, ils aiment trop le Nord, tu connais un peu. Eux, ils aiment le Nord, ouais. Je vois leur mentalité un peu de mec du Nord, patriote, quoi. Bref, mais t'as capté, en gros, c'est là actuellement, c'est les seuls trucs qui peuvent m'intéresser. Regarde, j'ai un rendez-vous avec les SOA là. Je vais essayer de commencer à rentrer dans leur tête là. Ok? Ok. Par contre, Cube, ça reste. T'as vu la discussion? Il y a que toi qui es au courant. Essaye de t'informer aussi. J'ai entendu parler d'un trésor à l'intérieur de la Pacific Bank qui vaudrait plus d'argent que ce pays n'en possède. Okay, ok. À l'intérieur de la Pacific Bank, apparemment, il y aurait le diamant rose. Et le diamant rose, apparemment, c'est quelque chose qui vaut énormément d'argent. Sauf que je sais pas forcément comment y accéder, je sais pas forcément comment ça se passe. Donc si t'as des informations par rapport à ce diamant, bah n'hésite pas. Mais et qui peut avoir des informations sur ça? Je sais pas. C'est pour ça que je préfère m'en occuper moi-même. Je t'en parle juste, mais je vais essayer de m'en occuper moi-même, d'avoir les infos de mon côté. Vas-y, si on a quelques infos qui traînent là, qui passent en virus. Y'a un banquier ici ou pas? Enfin, y a un banquier qu'on peut péter ou... Non, y'en a pas. Même pas. Ok. Voilà, tout ce que j'avais à vous dire. Ok, ben bah vas-y, on va rentrer dans le truc du Nord là, on va essayer de voir ce qui se passe hein. Vas-y, ça marche. Et je crois que les White Street se sont posés à Groove hein. Du coup ça ouais, truc, ça répond coups, pas à la première question là. Ça me fait des... De quoi? Bah par rapport au labo. Non mais le labo de LSD, bah il vient de me dire il en voulait pas. Ouais mais on est à quoi la place? On part sur l'opium. Bah là pour le moment bosser sur la weed ou le crack. Non, t'as pas compris, c'était une récompense là. C'est pour ça que je dis, y'a quoi la place soit, de... soit tu prends ton labo d'LSD et tu vas taffer dessus, soit je te filerai de l'opium quand y'en aura. Vas-y, on fait comme ça, vas-y. Vas-y, on se revoit, à bientôt. Igo, faut des palos. 2-3 bitch. Hola. Ouais les gars, tranquille. Tranquille, viens, c'est là. Il est où Serpente? Intérieur. Ouais. Vas-y, viens Momo. Moi j'arrive. Attends deux secondes. Allo. T'es pas le team. Ouais Cube. Ouais dis-moi. C'est comment pour la commande là d'armement? Tu les veux maintenant? T'es dispo maintenant, je vais aller chercher maintenant. Là j'en ai que deux maintenant, je te donne les deux autres demain, c'est bon? Vas-y c'est bon. Vas-y je termine un truc et je te fais ça, vas-y. Vas-y. Vas-y, viens Momo, viens. Oui, je vous...
Et bien en fait, tu sais pas, à tout moment les gens ils nous font des guet-apens. Ouais. Salut les gars, tranquille. Ok. Ça va ? Ça dit quoi ? Ouais, on est là, on est là. Hein. Ça s'est fini comment là de votre côté ? Bah bien, hein, nous de notre côté on a eu ce qu'on avait besoin, on a eu tout ce qu'il fallait. Hein. Ok, ok. Moi malheureusement ça s'est pas fini comme je voulais, hein, putain. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, je me suis retrouvé bloqué quand les Poyos ils ont forcé le Human Labs. Mm-hmm. Et je me suis retrouvé, je me suis retrouvé à voir les Poyos au cul. Salut Maurice. Salut Marcel. Mmh, salut les gars. Putain, il est sympa ton jeu Maurice. C'est quoi ? Parle de ton sujet, on parlera du mien, point. Ok, très bien. Du coup, clairement, je t'explique Cube, moi... Je bosse pour toi, ok, je me fais mon oseille avec toi. Maintenant, là, ce soir, ce qui s'est passé, apparemment, de ce qu'on m'a dit, il y avait des bouteilles d'oxygène qui devaient être données. Mm-hmm. Moi, j'avais la responsabilité des armes et je devais récupérer ma bonbonne. Je vais te parler, le bon américain, je t'ai vu partir avec tes gars sous mes yeux. Vous m'avez laissé dans la merde et c'est à cause de cette on histoire. On est pas parti, non. J'étais le dernier, la dernière personne dans le Human Labs. J'ai couché une dizaine de flics avec cette arme que j'ai actuellement dans les mains. Regarde, elle est pleine de sang encore. Bon, ça c'est parce que j'ai tué Landy, mais aussi c'est parce que j'ai tué 8-10 flics au fusil à pompe. Ok. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la sortie, il y avait des bombes à oxygène limitées. C'est-à-dire que vous aviez pas tous des bombes à oxygène pour vous tous. Il y en avait à peu près 2-3 par groupe. Donc, c'était pour que vous puissiez sauver vos armes, etc. Après, c'était à toi de suivre et d'être assez vif pour récupérer les bails. Si tu les as pas récupérés, bah malheureusement, c'est la vie. Hein. Et... En fait, c'est pas forcément que je les ai pas récupérés, tu vois, ça c'est mon problème. Maintenant, le souci, je vais te parler comme toi qui. T'es avec pour qui je bosse, tout ça, et moi en tant que chef de mon quartier, ok ? Mm-hmm. Je te mens pas que j'ai failli perdre la vie ce soir. Ouais, mais tout le monde, hein, franchement, il y avait oui, beaucoup mais... de monde. Hein, parce qu'ils ont... En fait, vous avez des... la plupart des gens ont décidé d'user la stratégie de j'amène tout le monde. Donc après c'était pas forcément la meilleure stratégie utilisée. Et il y avait franchement il y avait tellement de cachettes en mais fait. Pour les négociations vous cachez sur le toit et tout. Vous auriez tellement au courant que là avec ce qui se passe on va quand même avoir un problème toi et moi. C'est à dire? Eh ben le problème c'est que j'ai perdu des choses pour ton plan qui était bancal. Bah mon plan n'était pas bancal étant donné que jusqu'à maintenant tout le monde s'en est sorti. Je n'ai pas tout le monde s'en est sorti. J'ai pas entendu une seule personne je crois qui m'a dit la même chose que toi. Jusqu'à maintenant. J'ai pas une news dès qu'elle est, mais je pense que si j'ai pas de news, c'est que c'est une bonne nouvelle. Tous les autres s'en sont sortis avec des armes. Tout le monde. Et si vous avez normalement, tout le monde avait des bombes à oxygène. Ouais. Lève tes mains, on va parler. Ouais. Lève tes mains, Marcel. Ah là là, vous faites une sacrée erreur, les Latin Kings. Oh, écoute. Mm-hmm. J'écoute. Que j'ai un gun sur la tempe ou pas, ouais, j'écoute tout autant. Oui, c'est quoi le problème là ? Mets-toi avec Cube. Ouais, bien sûr. Tu vois, je lui dis de se concentrer, je savais, wesh, C'est nul, c'est quoi ce bordel là ? Je te dis depuis tout à l'heure de te concentrer, t'es au téléphone Maurice, ça fait 4 fois, je te le dis. Mais bref, c'est pas grave. Tu veux que je fasse quoi de toute façon, ils sont 14 000. Oui, c'est pas grave. Mais ouais, du coup. Moi, je vais te parler l'américain, ok ? Mm-hmm. Je t'explique. Là, ton truc, moi. Ok, si de ton côté, c'est ma faute si j'ai perdu les armes, pense ce que tu veux. Là, c'est moi qui pense. Et pour moi, ton plan était foireux. On est arrivé. Ouais. Laisse-moi parler deux petites secondes, après je te laisserai parler. Vas-y. On était censé récupérer les armes, se barrer. Les poyos sont arrivés à cause des tirs. Et l'alarme, ça, ok. Ton plan B était de faire péter le C4 et de partir par les souterrains. C'était pas un plan B, c'était le plan initial. En fait, à la base, de prendre l'ascenseur et de partir par les souterrains. Maintenant, il y avait une grille, j'ai réussi à avoir un rache C4, etc. Rache ton j'ai réussi à avoir un C4, etc. que j'ai trouvé à l'intérieur. Tout le monde est sorti par l'arrière, c'est-à-dire que j'ai même laissé partir tous les gangs, les organisations et tout. Je les ai tous laissé partir avant nous avec les bonbons d'oxygène. Tout le monde était au fond. Prends son téléphone, regarde ce qu'il a envoyé, s'il te plaît. Le mien ? Ah, le. Non, pas le mien. Moi, j'ai rien envoyé, hein, parce que en gros, là, la police m'a appelé, c'est pour ça. Donne-le. Écoute. Tiens. Okay. Tout le monde est parti avant nous, je suis resté avec le chef des Mayans à l'intérieur du Human Labs avec Maurice. On avait Tech9 pompe, on les a tous allumés, on a allumé des flics pendant des dizaines et des dizaines de minutes avec des mecs de gang mais qu'on faisait passer pour des otages, on leur disait cachez-vous, faites genre on vous a tiré dessus et tout pour qu'ils puissent s'en sortir. Ils s'en sont tous sortis vivants à ce que je sache et sans amende, sans rien parce qu'ils avaient pas d'armes sur eux vu qu'ils les ont donné aux mecs qui sont partis avec les bonbons d'oxygène.
Ouais. Si vous avez pas été assez rapide pour choper des bombes à oxygène, il y en avait deux. Je crois que même on avait mis des étiquettes dessus pour que. C'est pas une histoire de rapidité, Cube. C'est une histoire que ton plan il pue la merde. C'est ça que j'ai en tête et ça bouge pas. Le problème, Serpiente, c'est que c'est pas le plan qui pue la merde. C'est juste vous qui ne l'avez pas suivi. Parce que tout le monde s'en est sorti. Les YB, ils étaient genre. Je sais pas comment ils étaient hyper nombreux. Je crois qu'il y en a même pas un qui a fini au commissariat. Écoute, moi j'ai réussi à limiter la casse. Maintenant, je te parle sérieux, ok? Là, ce plan. Tu sais pour qui je fais ça? Pour une seule chose. C'est que si jamais... Je sais très bien pourquoi tu fais ça, Serpiente. Ne pense pas que je suis un amateur. Pour qui? Dis-moi. Pour différentes raisons. On les connaît tous. J'ai pas besoin de te les rappeler. Tu les connais, je les connais. On se sait. Très bien. Il y a beaucoup de gens qui parlent, Serpiente, et même de chez toi. Et le problème, ce que tu comprends pas, c'est que certainement tu as vu la lumière quelque part d'autre. Mais jusqu'à maintenant, le sud, ça a été nous qui l'avons contrôlé. Et là, t'es en train de faire une grosse erreur. Moi, je vous ai tendu la main parce que oui, effectivement, j'avais besoin de récupérer mes documents. Ces armes-là, à la base, je devais aller les chercher moi-même et me les garder pour moi. C'est-à-dire qu'il y avait 15-20 armes pour moi. Tu te rends compte l'argent que je me faisais? 35 000 $ l'arme, 0 $ de dépense. Tu te rends compte l'argent que je me serais fait? Vous les avez, c'était pour vous. Après, si vous n'avez pas assuré votre sortie, c'est votre problème. Au Human Labs, t'avais juste à cacher tes gars sur le toit, les allonger, les flics ne vous auraient jamais vu. Le temps qu'un hélico vienne, vous auriez bougé. Même moi, dis-toi, je suis sorti à la toute fin. On s'est pris un assaut du SWAT. J'ai tiré, j'ai couché une dizaine de flics, etc. On est passé sous terre avec les bonbons d'oxygène. Il y avait des hélicos sur nous à la sortie et tout. On s'en est pourtant sorti. C'est ce que j'ai fait pour sauver mes gars. Mes gars, pour les sauver, je me suis pas fié à ton plan. Ils étaient sur les toits, ils attendaient pour partir. En fait, j'avais aucun. Laisse-moi, plan pour vous. C'était à vous de faire votre plan. Le plan, moi, j'avais le mien de récupérer les dossiers. Je vous ai dit, venez avec moi. Voilà. Et toi, mais il y avait aucun plan pour vous. Tu m'as dit que le plan initial c'était de péter le C4 et de se barrer avec les bombes d'oxygène. Oui, ou non? C'était mon plan à moi, c'était pas le vôtre. Très bien. Je n'ai rien préparé pour vous. Hein. Je suis pas votre daron. Hein. Je vous tends des perches, vous les attrapez pour récupérer du butin. Mais moi, je ne vous fais aucun plan. Tu as clairement dit mot pour mot. Venez, suivez-moi. On va se barrer par derrière. On va se barrer. Donc à partir de là, c'est qu'on suit ton plan. Donc je t'explique, Cube. Les demandes vont être claires. Okay, là, à l'heure actuelle, j'ai perdu. De Beretta, 3 pétoires. Les 3 pétoires, c'était les tiens. Ok. Ok. Donc, t'as 3 solutions. Tu veux de Beretta? T'as 3 solutions. Soit tu me ramènes mes 2 Beretta et 10 000 $. Ok. Soit le truc que t'as dans ton dos là, je le récupère. Soit c'est Lamar que je récupère et il va vivre chez moi pendant un petit moment. Et je te promets pas, tu vas le. Oui, Lamar. Okay. C'est celui qui fait des streams là sur Minecraft. Pas mon petit neveu, non. Laissez-le. Ouais. Je te laisse le choix. T'as 3 choix. Lamar, ça va être compliqué, hein. Lamar, ça va être compliqué et surtout, je me vois pas plier le genou à ce point-là devant toi. Tu sais très bien ce que je te fournis et tu sais très bien que tout ce qu'on t'a fourni toutes les fois où on vous a tendu la main. Donc, Il y a rien de personnel. Tu sais bien, c'est le business. Il y a quelque chose de personnel. Là, c'est pas que du business, Serpiente. Parce que tu sais très bien, jusqu'à maintenant, j'aurais le pouvoir en vérité d'éteindre ces quartiers, d'éteindre vous, d'éteindre d'autres quartiers. Et j'ai juste aligné des dollars sur la table. Tu le sais très bien que j'ai beaucoup d'argent, oui, ça se voit même quand tu me regardes dans les yeux. Et là, tu sais très bien que j'ai juste à mettre quelques dollars sur la table de 2-3 quartiers et tu n'existes plus. Ce que j'ai fait, c'est que je n'ai jamais osé, ne serait-ce que sortir une arme devant toi, car je respecte la personne que vous êtes, même si vous êtes des mecs de quartier qui me font de l'argent. Moi, je vous ai toujours respecté, jamais levé une arme contre vous, malgré moi les aussi, erreurs que vous avez pu faire. Je te respecte, Cube, je te respecte, tu m'as fait croquer. À partir du moment où tu as levé une arme sur moi, tu m'as manqué de respect et tu risques de le payer. Donc je vais te donner tes 2 Beretta, et Serpiente, par la suite, il ne faudra, faudra pas revenir vers moi pour quelconque excuse. Comprends-le. Donc tu as encore le temps, là, tant que je ne suis pas sorti de cette cave, de te raisonner tes gars et de te dire que ça vaut peut-être pas la peine et que c'est peut-être vous qui auriez dû préparer un plan de votre côté. Parce que moi, ce que je demande, c'est des mecs qui répondent du tac au tac. C'est-à-dire, bam, je les amène à une pause, bam, on fait un braquage, bam, ils savent prendre des initiatives eux-mêmes et faire un pompe. Donc, soit tu reviens à la raison et tu te rends compte que l'erreur, elle vient de vous et que c'est à vous de réparer vos propres erreurs. Et surtout que tu sais très bien que même si je vous mets dans la merde, vous aurez des plafonds pour vous refaire directement après. Soit tu décides de rester sur tes positions, je t'amènerai tes 2 Beretta sans broncher, mais par la suite, Serpiente, il ne faudra pas revenir vers moi.
Et je, et ouais, connaissant la situation actuelle de la vente d'armes, de différentes choses, je te, je objectivement. En fait, tu penses que c'est quelqu'un qui m'envoie. J'ai compris. Non, personne ne t'envoie. Alors là, ça m'étonnerait que quelqu'un t'envoie. Je sais pas. Tu me parles. Moi, je te dis que c'est que du business, ok. Moi, à mes yeux, et uniquement moi, Serpiente. Oui, okay, mais dans ce cas-là, Serpiente, si c'est que du business, moi aussi, je vais couper tous mes business avec toi. Mais hermano, moi je te dis simplement, et je te laisse parler de tout à l'heure, je vais parler un petit peu. Moi je te dis simplement que, à mes yeux, moi de Jefe, ok, si on a été dans la mierda avec les pollos, pas que moi, tout le monde, si on était dans la mierda, c'est uniquement parce que ton plan était foireux. C'est ça que j'ai dans la tête, ok. Donc, ce que j'ai perdu, je me dois de le récupérer. Qui va me le récupérer? C'est toi. À partir de là, dès que j'ai récupéré ça, crois-moi, si tu veux plus me faire bosser, me fais plus bosser. Moi, je parlerai plus avec toi. T'inquiète pas que j'ai suffisamment de contacts pour grandir dans la vie. Eh bah, très okay, bien, très bien. Ça, très moi, bien, personnellement, noté, ouais, moi, ça me va. Ça me va très bien aussi. On va te ramener tes deux Beretta. Et est-ce que c'est bon? Est-ce que la conversation sache qu'une fini chose, Serpiente, je te l'ai dit, je te l'aurais dit une deuxième fois. Reste sur tes positions. À partir du moment où je mets mon nez en dehors de cette cave, si tu as resté sur ces positions, nous n'aurons plus jamais de business ensemble. On n'aura plus rien à faire ensemble. Ça marche? Si ça te va, tu vas récupérer tes deux Beretta qui valent 70 000 au total. Pour 70 000 $, tu vas faire une croix sur énormément de dollars. Mais aucun souci. C'est pas une histoire de... C'est pas je une te histoire demande pas de te justifier, Serpiente, t'as pris tes décisions, je prends les miennes. Allez, très bien. Ça marche? On est d'accord sur ça? Je vous ramène vos deux Beretta tout à l'heure ou demain, je sais pas. Je sais pas si ce soir. 10 000 avec, comme je t'ai dit. 10 000 dollars en plus avec, ça marche. Et ben, pas de problème, on te ramène tout. Très bien. On ne veut pas mourir, nous. Si t'as terminé, on va y aller dans ce cas-là. C'est bon pour vous, messieurs. Allez. Parfait, bonne soirée. Vous les raccompagner. C'est sûr, on va. Vous pouvez prendre mes bails, là, s'il vous plaît, mes petits. J'aimerais prendre mes trucs. Pas maintenant. Comment ça regretter, là? Après, c'est stylé qu'il y ait des gangs qui se retournent contre moi. A tout à l'heure, je vous recontacte. Je peux avoir mes bails là, s'il vous plaît. Excuse-moi mon grand. C'est stylé en vrai. Bah en fait là c'est juste que le problème actuel c'est qu'il faut qu'ils aient d'autres vendeurs d'armes. Parce qu'en fait ils ont pas d'autres vendeurs d'armes. Ils sont dans la merde à la mort mais genre de fou. Non après je vais pas missionner 15 gangs contre eux. Franchement c'est gaze. Mais en fait j'ai envie de le faire demain parce que là si je missionne des gens si je missionne des gens c'est un peu du revenge donc je le ferai demain c'est pas grave. Tous les jours je suis sous gaz. En fait ce qui est bien, ce qui me fait sourire un peu, c'est que vu qu'il y a plein de gens qui commencent à faire une croix sur le business de Cube, bah vu qu'en fait j'ai déjà profité de leur argent de fou. Attends, je prends deux Beretta, on va les donner à Epsilon et ensuite on va exploser le truc des Shangri-La. Attends, ok d'accord. Je t'attends alors. J'arrive, ouais. Ah, tant mieux. Mais en fait, dites-vous que c'est ça, hein, si j'ai créé un perso aussi détestable, si j'ai fait un perso genre qui est grave arrogant et tout comme ça, c'est uniquement pour que les gens se rebellent contre moi. Hein. Parce que je savais que si j'étais GM et que j'étais grave gentil et que j'arrangeais tout le monde, eh, les gens, ils allaient trop me sucer, frère. C'est pour ça que j'ai créé un perso en mode... Parce que là, en fait, le problème, c'est que les groupes du Nord... En fait, là, ça va être le Sud vs le Nord bientôt. Et le problème, c'est que il y aura deux vendeurs d'armes dans le nord et moi je serai le seul vendeur d'armes du sud. Du coup, ça va être la merde pour eux. Ok, on fait ça avec Marcelo et ensuite on voit les Kelly. Appelle-les, okay, demande-leur un rendez-vous dans 15 minutes. Kellox. Suis-moi bien, mon ref. Mais roule ta grand-mère, au lieu de me dire. Je trouve même pas arrogant ton perso. En vrai, au début, j'étais vraiment.
pense que ouais, je pense que demain je vais craft la AK-47 et je vais un peu m'amuser. Ça va être drôle.